Bonjour à tous et bienvenue sur la Coconut Box, la chaîne de tous les unboxings. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour unboxer la case numéro 9 de mes 12 calendriers de l'Avent. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse avec ma petite intro et je vous dis à tout de suite. On commence tout d'abord par le calendrier de l'Avent Marionnaude, A Magic Winter. Il s'agit d'un tout petit taille-crayon comme ceci, très 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 joli. J'aime beaucoup parce que j'aime bien les taille-crayons qui ont un réservoir, donc de couleur rouge et dorée qui rappelle le calendrier. Donc très très contente de ce petit accessoire. On continue notre aventure avec le calendrier de l'Avent H&M Beauty, 24 Days of Beauty. Voyons voir la case numéro 9, elle se trouve ici. J'attrape un tout petit produit comme ceci. Donc il s'agit d'un Face Primer. Donc c'est un petit primer, c'est vraiment tout petit. Et donc ça fait 5 ml. Donc voilà, c'est operculé. Ils ont mis une toute petite opercule là-dessus. Mais écoutez, c'est pas précisé si c'est hydratant, si c'est matifiant, donc pourquoi pas, à tester. Donc voilà ce que j'ai eu donc, dans le calendrier de l'Avent H&M Beauty. On poursuit l'aventure en attrapant le calendrier de l'Avent Essence, donc Happy Holiday. Il s'agit d'un mascara, trop 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 bien. C'est le mascara I Love Extreme Volume. Donc, I Love Extreme, pardon. Et c'est Crazy Volume. Trop, trop, trop bien. Je suis super contente. J'en ai entendu parler de ce mascara. Et donc, sa pointe, enfin, sa brosse se présente comme ceci. Donc, c'est une brosse un peu en picot. Donc, voilà, toute droite. Mais écoutez, hâte de tester ça et de vous en faire un retour. J'attrape ensuite le calendrier de l'Avent Spa de chez Action. Et regardons ensemble ce que contient la case numéro 9 qui se trouve juste ici. La case numéro 9, c'est un tout petit produit comme ceci. Donc, il s'agit d'un produit spa. Donc, il s'agit d'un produit de la gamme Mystic Joy Body Mist. Donc, c'est une brume corporelle de 30 ml. Et écoutez, on va tester ça. Ça sent pas mauvais, c'est léger, c'est assez discret. Donc c'est une brume corporelle, d'accord, toute simple. Écoutez, le parfum est vraiment très 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 léger. Voilà ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Spa de chez Action. Oui. Chez Action et j'attrape le calendrier Max & More. Et voyons voir ensemble ce que contient la case numéro 9 qui se trouve juste ici. Oh, très joli. Ah, vraiment joli. Et donc, nous avons un magnifique gloss comme ceci, très 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 joli, avec le packaging qui rappelle le packaging du calendrier. Et donc, est-ce qu'on a une teinte? J'ai pas de teinte. Ah si, la teinte c'est 351 Passionate Kiss. Donc ça se présente en embout comme ceci. Pas d'odeur particulière, c'est plutôt chimique. Et donc, on a une couleur comme celle-ci. Donc voilà, très discret, un peu vraiment rose transparent. J'aime beaucoup. Ça fait un effet make-up, no make-up. Et on peut mettre, par exemple, un magnifique crayon marron autour et faire un joli dégradé. Donc, j'en suis très contente de ce produit. J'attrape ensuite le calendrier de l'Avent Chat de chez Action. Et regardons ensemble ce que les loulous vont déguster aujourd'hui dans la case numéro 9 qui se trouve ici. Et nous avons donc de magnifiques petites friandises qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des petits morceaux. Donc voilà. Et donc voilà ce que nous avons dans la case numéro 9. Où les loulous vont se régaler. Une petite parenthèse pour ouvrir la case numéro 9 du calendrier Mes Bijoux de 2021. Et cette case numéro 9 se trouve juste ici. Donc, c'est une petite case. Oh! Et j'attrape, waouh! Elle est trop belle.
une jolie bague comme ceci. Très, très, très jolie. Alors, elle est un peu épaisse. Je sais pas trop si c'est mon style de bijoux, parce que moi, je préfère les bijoux fins. Donc, elle est jolie, mais je sais pas trop comment la porter, en fait. Parce que pour moi, enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être la mettre au niveau du pouce, non, ça rentre pas. Peut-être là, je sais pas. Je la trouve un peu... En fait, au début, j'ai vu le dessin, j'ai trouvé très jolie. Mais c'est vrai qu'elle est quand même un peu épaisse. Donc voilà ce que j'ai eu dans le calendrier mes bijoux. J'attrape ensuite le calendrier de l'Avent Kiko, Joyful Holiday. Et alors la case numéro 9 qui se trouve juste ici. Oh, et j'attrape un produit comme ceci. Donc il s'agit d'un eyeliner de la collection Green Me Eyeliner de 2,5 ml. Et lorsque l'on ouvre, on a donc une pointe un peu comme ceci en pinceau. Donc bah, écoutez, très contente. Voyons voir ce que ça donne au tracé. Waouh, ah, ça peut donner un trait assez... faut avoir la main légère. Hein. Donc voilà. Mais écoutez, franchement, hâte de tester ça. Très, très, très contente de ce produit que j'ai eu chez Kiko. Ensuite, dans la marque Nocibé, j'attrape le Nocibé classique. Et voyons voir ensemble ce que contient la case numéro 9 qui se trouve juste ici. Et donc, nous avons un message qui nous dit à emporter partout. Et j'attrape un petit accessoire comme ceci. Et donc... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord, donc en fait c'est pour pouvoir mettre, parce qu'on a en fait un roll-on, et je pense qu'on peut mettre un produit, un parfum, quelque chose. Alors franchement, c'est pas trop mon habitude de faire ce genre de choses. En général, j'ai des miniatures de parfums ou des choses comme ça, mais je sais pas. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous comptez mettre dedans, puisque c'est pas un format spray, c'est un format roll-on. Donc un peu intriguée et... mitigé sur cet accessoire. Donc voilà, peut-être vous avez de meilleures idées que moi sur pour une meilleure utilisation. Donc voilà ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Nocibé classique. Toujours dans la marque Nocibé, j'attrape le Nocibé Prestige qui se présente sous forme de boîte à bijoux avec de jolis tiroirs. Et donc j'attrape tout d'abord un petit message. Donc le petit message, c'est un résultat naturel poil à poil. Et donc, on a ce petit produit. Donc, j'imagine que c'est un produit à sourcils. Nocibé, c'est ça. C'est un pinceau feutre, sourcils, pointe ultra fine, 12 heures. Donc, il se présente comme ceci. Alors, la couleur, ouais, c'est un peu marron hein, pour moi. Donc, voilà, pas très inclusif. Hein. C'est pas terrible de mettre ce genre de produit dans les calendriers. Donc, voilà ce que j'ai eu de chez Nocibé Prestige. Ensuite, le calendrier de l'Avent Charlotte Bio. Et voyons voir ce que contient la case numéro 9 qui se trouve juste ici. Et donc, c'est une petite case qui se présente comme ceci. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, donc c'est un petit bijou, donc on dirait que c'est un collier. Il se présente comme ceci, très 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 joli, avec un motif gravé dans la petite médaille. Vraiment très très contente de ce produit. Donc encore une fois, emballé dans du plastique, hein. Mais sinon très 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 joli. Vraiment très contente de ce produit que j'ai eu chez Charlotte Bio. Je passe ensuite au calendrier de l'Avent Pélissage. Voyons voir ce que contient la case numéro 9 qui se trouve ici. Donc c'est une grosse case. Franchement, Pélissage, trop contente déjà hier. Cette expérience sensorielle de se doucher avec le macaron. Alors, je ne vais pas tomber. Hop. Donc case numéro 9. Donc déjà c'est un produit. Oh, d'accord, super. Donc, on continue dans la gamme de, comment dire, du macaron. Et cette fois, j'ai une crème pour les mains et pour le corps. Alors, en fait, c'est une version plus petite de la version que j'ai eue il y a 2 jours. Donc, celle-là, c'est un 30 ml. Mais écoutez, ça peut être très bien à emporter, je pense, dans son sac. Donc, c'est exactement la même odeur. Hein. Donc,
On sent super bon à travers le packaging. Je trouve pas mal, effectivement, parce que l'autre, c'est vrai que c'est un énorme format. Et donc, petite dédicace à Cindy, effectivement, c'est très très bien de le mettre dans son sac à main. Donc voilà, très très contente de ce produit de chez Peggysage. J'attrape le calendrier de l'Avent Glossy Box. Voyons voir la case numéro 9 qui se trouve ici. Et donc, on y retrouve. Hop. Oh, super! Trop 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 bien. Je vais refermer ça. Vraiment contente. Ah, oh, je suis super contente. C'est la poudre By Terry. Et donc, il y a zéro colorless. Donc, c'est une poudre soin de finition Hydra Care Setting Power. Franchement, je suis super contente. Donc, c'est un petit pot de 4 grammes. Je l'avais vu dans le look fantastique et je me disais, ah zut alors. Mais franchement, je suis mais vraiment très 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 contente de ce produit. Je termine cet unboxing par le Mouse Costaud Degustabox. Et voyons voir quelle surprise nous allons avoir après le 7-Up Soda Stream. Donc voyons voir ce que l'on va avoir dans cette case numéro 9 qui se trouve juste ici. Et dedans, alors qu'est-ce ici? Donc, on y retrouve un tout petit sachet comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ce sont des Funky Veggie. Et donc, ils sont fourrés au beurre de cacahuète et cacao. Et donc, c'est un petit paquet de 40 grammes. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des céréales. Ce sont des céréales qui sont sans sucre. Sans sucre raffiné, sans additifs, sans huiles ajoutées, etc. Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi pas, c'est une découverte. Moi, après, j'aime bien faire des découvertes. Donc, comme les crêpes betteraves, c'est pas mal de découvrir des choses. Mais ce que je reproche, c'est que c'est un calendrier qui est censé être axé sur Noël. Alors, pourquoi ne pas nous faire découvrir des choses en rapport avec Noël? Donc, voilà. Enfin, bref, vous me direz, oui, c'est du chocolat, donc ça nous rappelle Noël. Moi, pour moi, ça reste des céréales de petit-déj, même si je ne connais pas, mais ça reste des céréales de petit-déj. Et je vois pas trop le rapport avec Noël, en fait. Donc, voilà. Mais écoutez, cet unboxing est terminé. Donc, je vous propose de faire un petit bilan du butin que j'ai récolté aujourd'hui. De la journée numéro 9. Écoutez, plutôt contente quand même, on a de beaux produits, pas d'énormes déceptions, à part peut-être ça où je sais pas trop quoi en faire en fait, ou alors qu'est-ce que je pourrais dire, oui ça aussi, franchement c'est tout petit, on sait même pas quel genre de primer ça va être, et ça qui sont pas tellement bons, bon, on va dire ces trois-là quoi. Mais sinon, et puis oui, ça, c'est pas du tout inclusif. Franchement, c'est loupé la Nocibé, c'est loupé parce que, voilà, on met pas ce genre de produit dans un calendrier de l'Avent. Sinon, coup de cœur, franchement, vous le savez, hein, la crème pour les mains, je suis super contente. Le By Terry, on en parle. Je suis trop, trop, trop contente. Ça, vraiment hâte de tester. Parce qu'au fur et à mesure, je m'y fais et ce genre de pinceau, c'est pas toujours évident à manipuler. Mais pourquoi pas? Ça, je ne vais pas dire que c'est une déception parce que ça reste quand même quelque chose que je ne connais pas. Mais, enfin, on va dire déception dans le contexte, pardon. Il pourrait nous faire déguster des truffes ou déguster, je sais pas moi, un truc, un pain d'épices, je sais pas, quelque chose qui rappelle Noël. Là, c'est au chocolat, mais ça reste quand même des céréales, en fait. C'est des céréales, quoi. En plus, 30 grammes, quoi. Donc, enfin, bref, un commentaire. Donc, ça, c'est un accessoire, certes, mais très utile. Et moi, j'aime bien les accessoires qui ont un réservoir. Ça, j'adore. Franchement, très, très, très joli. Je suis vraiment surprise, hein. Franchement, Action, j'avais des a priori. Et enfin, je suis hyper contente, pour l'instant, on va dire, du make-up de chez Action. Ça, par contre, il n'y a pas vraiment d'odeur. Sincèrement, c'est pas un calendrier. Moi, je vous spoil déjà du bilan, mais je pense pas reprendre ce genre de calendrier parce que moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait de bonnes odeurs comme chez Peggysage. Et là, pour moi, j'ai l'impression que tous les produits sont pareils. Donc, voilà, c'est pas un coup de cœur pour ces produits. Et de même, hein, je m'avance déjà, mais sur les H&M, franchement, c'est vraiment des produits rikiki. Après, c'est vrai qu'il y a de belles choses, il y a de beaux produits make-up et tout, mais
Ça reste quand même très, très, très petit. Ensuite, le... Ah, ça, je suis super contente du mascara. Franchement, hâte de tester. J'en ai entendu beaucoup parler. Et puis, bah, mes bijoux, franchement, très, très contente aussi du pendentif comme ça. Il est très joli. Alors, juste la petite bague, elle est belle. Mais je la trouve peut-être un peu grosse. Donc, je sais pas si c'est trop mon style. Donc, bon, pourquoi pas sortir de ma zone de confort. Mais écoutez, franchement, là, ouais, on est quand même bien. 2, 3, 4, on est sur 5, on est sur 6, on est sur 7. Ouais, on est quand même sur un bon ratio, encore une fois, de produits qui me plaisent beaucoup. On est plus sur un 70% quand même par rapport à hier. Mais vraiment, coup de cœur, encore une fois, la crème et puis le By Terry, on en parle. Donc voilà quoi, franchement très très contente de cette journée numéro 9. Encore une fois, je suis ravie de partager tout ça avec vous. Hâte d'avoir vos retours, savoir si vous avez eu la même chose que moi, si vous êtes abonné, si vous avez le calendrier des Gustabox. Savoir si vous avez eu la même senteur, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des senteurs différentes chez Pégisage. Et puis, voilà, quoi, savoir un petit peu si tout ça, ça vous paraît intéressant, si vous avez l'habitude de porter des bijoux comme ça. En tout cas, voilà, ravie de partager avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci encore pour vos abonnements. Non, bah écoutez, moi, je vous fais de très, très, très gros bisous. Et je vous dis vivement demain pour découvrir ce que l'on va avoir dans la case numéro 10. Bisous !